واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وعندكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما صدق
Baada rahenda na udunge Qur'ani nga mulao ya ukana e tribune officielle rango ya umoha ma autorité wenji wasibonsi wakansi sha rais azali hende na ubehwa aruma tribune nyiraji ya hema officier ma officier majeshi wakawakansi waka oblige wasibonsi ili rais ndiye akensida ina mawaziri wa hene ma wajeni wala Abdul Fattah Said Mohamed pour nous prononcer son discours. الضيوف الكرام السيدات والسادة سوف نستمع للكلمة التلحيدية مع عمدة العاصمة موروني السيد عبد الفتاح سعيد محمد. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we'll now be inviting the mayor of the capital Moroni, Mr. عبد الفتاح سعيد محمد, to deliver his welcome speech. Welcome. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Avant d'entamer mon discours, nous vous prions d'accepter nos excuses pour l'incident malheureux auquel nous avons assisté. Merci. Excellence, Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Madame Amari Darwesh, première dame de l'Union des Comores. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de la Cour suprême. Mesdames et Messieurs les ministres et membres du gouvernement. Son Éminence le Grand Mufti. Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, Madame et Messieurs les gouverneurs des îles autonomes, Honorables Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, ainsi que les représentants de missions diplomatiques et consulaires accrédités à l'Union des Comores, haute personnalité de l'administration publique, en volant grade et qualité respectives. Mesdames, Messieurs les représentants des institutions et organisations partenaires au développement des Comores. Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile. Mesdames, Messieurs les représentants et les acteurs du secteur privé, distingués ou les membres, personnalités notables et coutumières, chers collègues, maires et membres des conseils municipaux de communes du pays, Monsieur le chef d'état-major, officier, sous-officier et homme du rang de l'Armée nationale de développement, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En ce jour mémorable, marquant la célébration de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, il échoua à la mairie de Moroni, capitale du pays, le privilège d'accueillir l'organisation de cet événement historique. C'est alors devenu coutume que cette circonstance me donne l'honneur, en ma qualité de maire de la capitale, de m'adresser à vous, auguste assistance, au nom du conseil municipal et de tous les habitants de la ville, pour vous souhaiter la bienvenue et de passer une agréable cérémonie. Aussi, on ne remerciera jamais assez le bon Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, qui, par sa bénédiction, permet à notre pays de continuer à vivre dans un climat de paix et de stabilité, un climat grâce auquel nous célébrons aujourd'hui, en toute quiétude, deux événements majeurs conjoints, notamment la présence
cérémonie marquant la célébration du 49e anniversaire de l'indépendance nationale et la cérémonie de ce soir, 1er Muharram, marquant la célébration du nouvel an musulman. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorable assistance, avec l'avènement du nouvel an musulman et au lendemain de votre investiture en qualité de Président de la République pour un nouveau mandat à la tête de notre pays pour la période 2024-2029, il me plaît, au nom de la mairie et à mon nom personnel, de présenter d'une part à l'honorable assistance au peuple comorien, au monde musulman, nos meilleurs vœux de bonheur et heureuse année, et d'autre part, adresser à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, nos vives félicitations pour votre brillante réélection. Mes félicitations toutes particulières, Excellence, pour votre investiture historique à la magistrature suprême de notre pays, une investiture rehaussée par la présence de 5 chefs d'État et de nombreuses délégations de haut niveau venues de partout dans le monde, Afrique, Europe, Asie, Amérique. Je ne manquerai pas également, Excellence, Monsieur le Président de la République, de saisir cette occasion pour vous exprimer une fois de plus au nom de la ville de Mouawani et à celui de la population comorienne, dignement et hautement représentée ici par cette nombreuse assistance, leur vive félicitation pour votre distinction honorifique au titre de lauréat 2024 du prix de la Fondation Grand Montana au terme de son 36e forum tenu à Bruxelles, Royaume de Belgique, du 26 au 28 dernier. Notons que ce prix est décerné chaque année aux grands acteurs modernes de la paix, de la liberté, de la démocratie et de la dignité humaine, parmi lesquels des chefs d'État de tous les continents et de personnalités de renommée internationale. Pour toutes ces performances réalisées dans vos actions de gouvernance politique, diplomatique et de développement socio-économique, le peuple comorien en général et la commune de Mouawani en particulier, par ma personne, vous présente leurs compliments et vous souhaite plein succès dans l'exercice du nouveau mandat que vous venez d'engager depuis le 26 mai dernier. Que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse, vous protège, vous prête longue vie, Monsieur le Président, pour réaliser les objectifs fixés visant à promouvoir la prospérité économique, le bien-être social et à préserver durablement la paix et la sécurité du peuple comorien. Aussi, peu égal à mes propos précédents, la mairie de Mouawani, par ma voix, réitère à votre Excellence, Monsieur le Président, son soutien constant et son accompagnement sans relâche dans la réalisation et la réussite de vos engagements puis vis-à-vis de la nation à travers le plan Comore Émergent 2030. Excusez-moi. Assalamu alaikum. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorable assistance, au terme de mon allocution, au nom de la communauté de la ville de Mouawani, je vous réitère, honorable assistance, mes vœux de nouvel an musulman à ce jour 1er Muharram et vous remercie vivement d'avoir honoré de votre présence le 49e anniversaire de l'indépendance.
l'indépendance de notre pays. Nous remercions tout particulièrement les autorités militaires, en premier lieu le chef suprême des armées, son Excellence le président Azali Assoumani et les forces de l'ordre qui se sont pleinement investis pour l'organisation et la réussite de cette cérémonie dans le calme et la sérénité. Vive l'Union des Comores dans la paix et la stabilité. Bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie. Excellence, Mesdames et Messieurs, j'invite Son Éminence le Grand Mufti pour son allocution. السيدات والسادة الآن نستقبل السيد فضيلة الشيخ مفتي الجمهورية الشيخ أبو بكر سعيد عبد الله جلال الليل لإلقاء كلمته. Now we're inviting the Grand Mufti of the Republic to deliver his speech. Please welcome. Watukufu holi hodovahanu ye presi ya ihatiwa amdo dunga diskuru ya mufti hahuishilia shaubahanu ya liyo ritinu wa mango ni wanruwa sekurize wefe tenu ya uka karna ujo uwasili ubahanu kao ya liyo Excellences, Mesdames et Messieurs, j'invite à présent le grand notable Mohamed Abdul Aziz pour son allocution. Merci. السيدات والسادة الآن نستقبل السيد محمد عبد العزيز لإلقاء كلمته. Président de l'Assemblée, président de la Cour suprême, Mabama Nawas.
kali nyonzi watukufu mahudhuri ya wami nyonzi pia heze daraja sahani nyonzi pia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ihandani hele tina lao wakumon seni rais ndo utekeleza mkonoma hawa hatu Islam ni mshirie mhamwema na wanye sirikali yao na ifami na enzi na ima goma na wahenzi unti na siwakazi unti mwaje nyeri kitu mhamwema wa unuunu na baraka na maisha mema na upasa ufu na mwenu mwema na kambwa mwema ni mshirie waja ufeti jema ya uguru wa hatu na wasi wakumuri karuferishi yao karibungao mungu Rikeba mjana we haina mwa hata vimefika mga vete ribite feti jema ita mga vete sina na ushukuria zejitiali zao ufanya wetimu ilie ndi usoni ikawu gawezori wanao gawezori ishi yao sito huja ita mga vete abunge gari mbao uwanahamu wahimilia ilifanya hasiba zima ikamgwa benze wakifikira njema nawe wakifikira nzima nawe wahime ikamgwa benze etimu ipwe yende usoni haraka na sigari ona gari ona wazio wazungwa kwa mbali za infrastructure zenzia neze koru neze aeroporu neze zonzi pia zene kuzifanisha wakonsijua enatufe matungu onu Utuanza uone uwele uweifu. Kanda ushidojia. Hapo kikara mamboka marahaba. Kwa ushahidi, uka ubaleti nuro, nezavi la kusipenji. Niswele mera zambabana, umdai wakaziwa, asibabu, dena mna wabali ya etinu, wabali ya emu Afrika, wabali ya senuguzo ntipi ya zenda uhawema, rangu demokrasi, hata maendeleo, hata amani, hata senuguzo ntipi. Hapo kikwezi watu, Harishia, jana, ikautamia, enzia ya funguni. Ragumde hata funguni. Harishia, emwana nyasi, mwanzani wao, direktor wa hebadi. Dr. Haseni. Harishia, zianzi manje, maneze mali zinji, azibalie, jesifa ikumori. Amugenga yomba umu. Esirikali yao, harangu. Wandu wa sirikali, rangu. Komisari yao plan, rangu wando tipeka mkwa venze, wafanye ze jitihadiza hao tipeata ze malizo zije, baizu kazina upasha vio zije, ekaka zijatawa. Gekara mkwa mkwa wafanye hazi, enamna lazimu, na ushukuria wando sirikali kao, maministri wakanao, warumishe nzimu wata wajewa kazi kifuzi, na ukishiria wana hatuma ministri wahaacha ika mkwa venze, Barumbao bahati njema na biswara na wambia uka hewa nene tiri tinte toma. Baka mweshu wewa anu abori fuson tika mga teka ublijere no maternite ya mworoni jira za hewa nwaza alo wa nimeni. Manonti ni mwani kabati ya mtiti wana mesege na venseka. Abunge hewa nene. Tomaha tunitichiti chana narijifaru kari zangu ika mga vete. Izo mjufanya msaidi mwae dauda eti mkwega. Na izo zetu mwezo tipia. Kausinoshi nukiri wati na amani. Na amani yon yedha hapu ya hatu kutituwa. Kono mshinto eti inu amani. Hapo kikari mbao mesiri kari. No wandu wa siyasa. No wandu wa mila. No wandu wa dini. Ritanganye masaha udafie amani uharumenzini. Rangumi jini, atumirani, atumalahoni, atahone madamu tipia, rivirivie amani. Bangabu wanduikawu wandu wapeu yonki nishia wajumi jini hatu. Wajiware gagani wakazi. Wambihu maisilamu, nubara mwatu wajafa jenugitu mbi walime. Mungina rivirivie ntia hatu. Amani mungina mna hii. Eka mungu wabendu. Now, Hele zina lao wakumuru, gariparao uwa wa siyasa. Gariparao ya sirikali. Gariparao ya oposisi. Haina maanekao
Gina Fikra Jema, Yohanzen Simeon de Usoni, Nam Jem Tangani, Nina Azali, Noanayani, Medesenzi, Pakatona Miracle, Jacofano, Jumezo Azali Afanyao, Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellences, Mesdames et Messieurs, Honorable Assistance, nous avons l'honneur, le privilège d'inviter Son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Chef Suprême des Armées, pour son discours. Ensemble, garde à vous! Asseyidat wa sada, al-an. ندعو فخامة الرئيس الجمهورية المقدمة مع مراسم التلقية. Comoriens et Comoriens, mes chers compatriotes, honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme à l'accoutumée, nous voici réunis aujourd'hui pour célébrer la proclamation de l'indépendance de notre pays le 6 juillet 1975. Il y a en effet 49 ans, des visionnaires comoriens animés par le patriotisme ont décidé d'affranchir notre aspect du jour colonial d'affirmer la souveraineté de notre pays et de l'international. Ainsi, notre pays, composé de 4 îles, Moré, Djouani, Oumali et Ngadidja, fut admis comme membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies le 12 novembre 1975. À l'occasion de ce 6e juillet 2024, je voudrais tout d'abord souhaiter bonne fête à mes compatriotes de l'intérieur du pays et de la diaspora et leur adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux. Je joins mes prières au leur pour qu'Allah le Tout-Puissant continue à accorder à notre pays paix et sécurité et progrès. Je voudrais également, au nom de toute la nation comorienne, saisir cette occasion annuelle pour rendre hommage
au père fondateur de notre République, fait le président Ahmed Abdelrahman, et ses compagnons, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux parmi nos compatriotes qui ont œuvré pour que cesse l'asservissement de notre père. Je prie pour qu'Allah accorde sa miséricorde à ceux qui nous ont quittés et longue vie à ceux et celles qui sont parmi nous. Je voudrais ensuite saluer les représentants de nos partenaires au développement et tous les amis étrangers qui vivent chez nous et leur exprimer notre reconnaissance et les amitiés sans cesse renouvelées du peuple comorien. Je fais une mention particulière à nos frères, Son Excellence Monsieur Adesina, président de la Banque africaine de développement, à Son Excellence Monsieur Mohamed Moussa, directeur général de la CEPNA, qui ont bienvenu honorer de leur présence cette importante fête pour le peuple comorien. Et je n'oublie pas les civils et militaires des pays voisins qui sont parmi nous. Nous vous remercions très sincèrement, chers frères, pour cette grande marque d'amitié et de solidarité. Et puisque notre pays, à l'instar du monde musulman, célèbre simultanément en ce jour le nouvel an de l'Égypte, je vous souhaite une bonne et heureuse année 1446. Et vous dire que M. Mohamed Moussa vient d'un pays frère qui s'appelle le Niger. Et M. Adesina vient aussi d'un pays frère qui s'appelle le Nigeria. Mais il a accepté qu'à partir d'aujourd'hui, il est comorien. Pour nous rendre assistance, mes chers compatriotes, permettez-moi de rappeler que lors du référendum du 22 décembre 1975, le peuple comorien s'est exprimé à 95% pour l'indépendance de leur pays. Cependant, force est de constater qu'un différent malheureux nous oppose à notre pays ami la France, un grand pays et partenaire de premier plan, malgré cette réalité incontestable. Toutefois, et je le répète haut et fort ici, ma volonté a été toujours de dépasser ce contentieux qui nous oppose à travers un dialogue inclusif et instructif. J'aurais espéré que le droit international, le principe sacro-saint de la Charte des Nations Unies, à laquelle tous nos pays font partie intégrante, l'emporteront pour que les Comoriens et les Comoriens de quatre îles puissent bâtir enfin dans l'harmonie et la sérénité l'Union internationale attendue pour plus de paix, de progrès et de prospérité en privilégiant la coopération avec la France dans l'intérêt de nos deux pays amis et frères. Mes chers compatriotes, on a l'assistance. Le monde est en pleine mutation. Et tous les efforts que nous menons doivent avoir comme objectif ultime le progrès socio-économique de notre pays, gage de paix et de stabilité. C'est dans cette optique que nous avons pris les mesures d'assainissement nécessaires qui ont abouti au classement de notre pays par la Banque mondiale dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires, dépassant la catégorie des pays les moins avancés, dans la catégorie aussi et la conclusion d'un programme avec le Fonds monétaire international qu'on appelle FEC. C'est dans ce sens ainsi que nous avons tenu la conférence des partenaires au développement à Paris avec l'adoption du plan commun émergent qui, depuis, est devenu une référence à obtenir l'adhésion de tous nos partenaires au développement. Ce sont des actes que nous avons voulu poser dans le sens de la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la paix.
qui nous ont permis d'accéder à la présidence de l'Union africaine et de mener cette noble mission avec des résultats jugés positifs durant l'année 2023. Certes, dans cette marche vers le progrès, nous avons aussi eu à faire face ces dernières années et ces derniers mois aux effets de graves crises sécuritaires, sanitaires, économiques et climatiques, ainsi qu'aux conséquences des tensions géopolitiques liées aux guerres en Ukraine et à Gaza. Toutefois, malgré ces obstacles et ces crises exogènes, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons au contraire continuer à croire en notre capacité à remettre notre pays sur la trajectoire de l'émergence à travers l'ambition et un travail acharné. L'histoire a montré que notre pays est capable de réaliser de grandes performances dès lors qu'il est uni, qu'il se mobilise et qu'il dispose des appuis requis, comme cela a été le cas dans la lutte contre la pandémie de Covid et les effets du cyclone Kenneth. Aujourd'hui, notre pays est à la croisée du chemin. Nous devons assurer, maintenir et garantir le cap de cette émergence. En nommant un nouveau gouvernement qui met en avant les jeunes hommes et femmes et leurs compétences, j'ai voulu donner à cette importante catégorie de notre population l'occasion de faire ses preuves à travers l'innovation, la créativité et la diligence. Le terrain a été déblayé par leurs ennemis, notamment le plan de relance qui est destiné à accélérer la mise en œuvre concrète du PCE. C'est à eux maintenant de faire de ce plan ambitieux qui est à la mesure des enjeux et des défis auxquels nous devons faire face une réalité. Au court, moyen et long terme, notre pays a besoin plus que jamais d'un partenariat actif et rénové avec l'ensemble de ses partenaires au développement, incluant les investisseurs privés, pour que les annonces de contribution en faveur de notre plan PCE puissent se concrétiser et c'est à eux de les attirer. N'oublions pas que les investissements annoncés lors de la CEPAC nous permettront de relancer nos projets de développement avec le secteur privé dans un domaine aussi crucial que les infrastructures de développement dans le secteur de l'énergie, les transports, le numérique et le social, éducation et santé. Et je compte aussi et surtout sur le dynamisme de ce nouveau et jeune gouvernement pour approfondir, accélérer les réformes audacieuses déjà entreprises. Il s'agit notamment de renforcer le leadership dans la gestion des affaires de l'État, d'instaurer la gestion axée sur les résultats en introduisant la notion de performance dans la gestion des affaires de l'État, de poursuivre et approfondir les efforts pour instaurer un environnement des affaires propice à l'investissement privé. Mais ces jeunes hommes et femmes doivent aussi poursuivre le dialogue initié entre le secteur public et privé à travers les plateformes déjà mises en place pour lutter contre le chômage en accélérant la croissance économique du pays et enfin accentuer la lutte contre la corruption et renforcer et diversifier nos relations avec nos partenaires au développement. Cependant, pour réussir pleinement sa mission, vise à conduire notre pays vers un développement durable et harmonieux, ce gouvernement a besoin de travailler dans un climat de paix, de stabilité et de sérénité. Nous avons aujourd'hui la possibilité et la capacité de tirer les leçons du passé récent et de rassembler nos énergies
et toutes nos ressources pour surmonter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Je renouvelle alors mon appel à toutes les forces vives de la nation et je réaffirme ma volonté et celle du gouvernement de créer dans notre pays les conditions propices au climat d'apaisement dont nous avons tous besoin pour aller de l'avant. Et pour cela, je reste très attentif aux conseils, aux propositions, pour qu'ensemble nous puissions consolider la paix et la stabilité qui sont nos richesses les plus précieuses et les conditions préalables à l'émergence de notre cher pays. Je sais que nous pouvons compter sur nos partenaires pour nous accompagner pour atteindre nos objectifs de développement. Je reste plus que jamais déterminé, comme les équipes qui m'entourent, à tout mettre en œuvre pour que la politique de développement socio-économique basée sur le développement dans les domaines aussi variés que sont-ils, au cours de la réalisation, devienne une réalité pour l'émergence de notre pays d'ici 2030, Inch'Allah. Vive la République, vive l'Union commune dans la paix et la sécurité, vive la solidarité internationale. Je vous remercie. Armoka Oskun, Otsanganyaha, Nomahawani Beni, Wakislam, Wamahashivi, Namajanamani, Namengomini, Nadadal, Yao, Nesmwadania, et fêtez une garfala ou Ramamezini, Litoukou. Le Mesdou Azulhech, le Mesdou Muharram. Nate Kurani, Grandia Mufti Orsom, Kaharmamezimi Toukouf, Nesmwad, Mwamezimine, Mengon Mwemezio, Zulhaji, Namaharam, Magina Rombe Mukamwaze, Ukazi Fatirzatu, Gazukbali. Mesdra Tukufu, Ravishaleza Nao, Karambarishaleza, Sha Alakuli Hasso, Sperdokaya, Lusitu, Sukufu. Nizimura Kahamistum, Kamandam Katfanya Nuko, Tchorizu Mwanza, Yekuko Sababu, Shabizimuri Wanza. Donc, Hamadis en Afrique, Haoutis en Isabé, Dunia Kamil, Zamihala Zingawa, Zakaurum en Tizuaji, Mesheleba, Kartine, Moroko, la Hakuna Zimu, Afrique, Banata, Amérique, Hata Aziz, Kai. Donc, Wakatio, Zenziwa Kauji Basamo, Zimahan Zima Warango, Waha, Sisi Nesuma Dalia, Rikame Gormambe, Je vais vous
Paris n'est pas parti à une journée. Paris est différent. Nous avons eu un cas général. Mr. Missandre, I know I'm a Quran.
Nous sommes là pour vous remercier. Amadei zamani press hewe nchini zetoma au kaya rambi lorzion kashababi alhamdulillah nchini zamani kanema ni kanema ya suha amri kanema ya akili kadal kaba hani warusum magele wenu karenge mashababi nchini fanya zaidi wakwanya nisa yono mkuu nje uja na nchini zetoma ngojani Voilà, on va voir le
Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons procéder maintenant à une cérémonie de décoration par le Président de la République, Son Excellence. السيدات والسادة الآن ننتقل إلى مراسم تقليد من قبل فخامة رئيس الجمهورية لسيد محمد موسى مدير الهيئة الأفريقية والغشرة للملاحة الجوية وسام الهلال الأخضر القمري وأيضا تقليد الدكتور أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية وسام الهلال الأخضر القمري كرتبة قائد لما قدمه من خدمات للوطن. Son Excellence, Monsieur le Président. بعد ما عندنا وشيلية ديسكور يا هي رئيس مكاتيانو وعندو نبتكوزا بامو يا يا مفهمانا Wakaza, à son excellence Docteur Akiyumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, pour service rendu à la nation. Ensemble, garde à vous! Présentateur! Ah! Drapeau sans saga! Sortez du rang. Ladies and gentlemen, distinguished guests, now we are proceeding to the decoration of Dr. Adesina, the President of African Bank of Development. He is promoted with the grade of Commander of the Green Crescent of the Comoros for the service rendered to the nation. Thank you. Mesdames et Messieurs, Son Excellence le Docteur Akiyumi Adesina, Président de la Banque africaine de développement, vient d'être promu commandeur de l'Ordre croissant des Comores. Zaji wote hanzo bahalika huko na kauto fanya zao ya voga rido mombiani au kanana mdunge mbavi mjo uparisa sha ze imaji za dunga yabo ato saha ze sama hasa directeur general de la SECNA il sera promu au grade d'officier
officiers de l'ordre de Croissant Vert, pour par son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, chef du crime de la République des Armées. Ni makatiano ambao nao mwamekuza ikao imegonema kwa bano wa makafrikano na utukuziwa au mikiwa au kazi wa ladies and gentlemen, distinguished guests, we are now proceeding to the promotion of Mr. Mohamed Musa, Director General of ASEPNA, Agency for Aerial Navigation Safety in Africa and Madagascar. Be promoted to the grade of officer of Green Crescent of Commerce for his service to the nation. Thank you. Miongoni ni zendongo zilio ajabu haruma efeti ino ndo kaya rangu ya nisa hata waha Komori kwa turongo ziwa hashikomori wa haruma efeti ya hao sha gyo shigereza sha arabu shi faransa ambese diskuru nzima ni diskuru ya mwa he daula liwe kawa wa haruma wa shikomori sha wanuma animateur kwa tushida uambio wa komori wa dowe lewe zijirio banu Shangwa uhama warungu zao wazungu na warabu na wangereza ahalan inufeti ya hemwa na mkomor sinyangu Femelebo Drapo sansaga rejoine le rang Après l'emplacement du drapeau, nous allons procéder à la préparation du défilé par les différents détachements ici présents. السيدات والسادة الآن في استعدادات للعرض العسكري. Ladies and gentlemen, distinguished guests, we are now proceeding to the preparation of the military parade. Silence, mesdames et messieurs, différents détachements ici présents vont se positionner. Nous avons dans l'ordre de respectif le détachement de la gendarmerie nationale. Vatuo henda na uyenshi mwaride ya he lejaishi na zimbawa mbali na bali hao wa zihunda wabani Vatuo henda na ufanya mwaride ya hao hautosa letengwe hautosa mwaheda ula Mdo hale mwansiju
Mesdames et messieurs, une fois le détachement quitté l'engagement, nous allons assister à quelques démonstrations d'aversion par les jeunes recrues de la police nationale. Avec l'apparition significative de la jeunesse, hommes et femmes, la paix est non seulement un objectif, mais aussi une condition pour la stabilité sociale et l'environnement propice à la croissance et au développement. La sécurité tant individuelle que nationale est essentielle pour garantir la confiance et la résilience face aux menaces internes et externes. Assurant ainsi la protection des citoyens et des intérêts nationaux, le développement durable sous-tend l'engagement, sous-attend l'engagement avec la gestion responsable des ressources naturelles et la promotion d'une croissance économique équitable. Ensemble, avec la volonté du chef de l'État, ces éléments forment un cadre puissant pour réaliser les actions et les aspirations de notre parti, de notre patrie vers un avenir meilleur, où chaque citoyen peut prospérer dans un environnement de paix et de sécurité continue. والأمن والتنمية المستدامة التطلعات الأساسية للأمة نحو مستقبل مزدهر ومتناغم. إنها دعوة للتحول الإيجابي حيث يرمز التجديد إلى الأمل في تنشيط التطلعات الجماعية والتغلب على التحديات الماضية. فالسلام ليس هدفا فحسب، بل هو ايضا شرط لا بد منه لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء. وبالتالي تعزيز دعواتنا للنمو والتنميه ان الامر الفردي والوطني ضروري لضمان الثقه والمرونة في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.
وبالتالي ضمان حماية المواطنين والمصالح الوطنية. تدعم التنمية المستدامة، الالتزام بالإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية وتعزيز النمو الاقتصادي العادل والمستدام. وتشكل هذه العناصر جنبا إلى جنب مع إرادة رئيس الدولة، فقامت الرئيس عثمان الغزالي رئيس الجمهورية إطارا قويا لتوجيه أعمال وتطلعات وطنية نحو مستقبل مكتين. حيث يمكن لكل مواطن أن يزدهر في بيئة يسودها السلام والأمن والتقدم المستمر والازدهار. The police. Samani inde police nationale ka wanda wala wana waenda na uhunda information And what is the essential aspiration of a nation toward a prosperous and harmonious future? It is a call for positive transformation, where renewal symbolizes the hope of revitalizing collective aspirations and overcoming past challenges. The peace is not only a goal, but also a sine qua non condition for social and economic stability. Thus, promoting an environment conducive to growth and development. Security, both for individual and national, is essential to ensure confidence and resilience in the face of internal and external threats, thereby ensuring the protection of citizens and national interests. Finally, the sustainable development underpins the commitment to the responsible management of natural resources and the promotion of equitable and sustainable economic growth. Together with the will of the President of the State, these elements form a powerful framework to guide the actions and aspirations of our homeland toward a better future, where every citizen can prosper in an environment of peace, security, and continuous progress. Bahangara ndabona ubona wajaho wandu washuhani haone security civil yani kozep dewedao na uvira makatia
السيدات والسادة الحضور الكرام، إليكم القوات المشاركة في العرض العسكري. أولا فرقة العزف العسكرية، ولديها فرقة الدرك الوطني والقوات المسلحة القمرية والخدمة الصحية العسكرية، ويليها الشرطة الوطنية، ويليها الدفاع الوطني، ثم الجمارك، ثم الشرطة المحلية، وأخيرا مجموعة الكشافة. Mwisho ya defile ya skutu nasional. Hai, sao? أمامكم عرض عسكري من قبل الشرطة الوطنية. ولا وزاد وجبلوني ما باندي وناونا وفانا نمنا يا وجدافيون كايتشوكا وهم مكيشوا. Les armes et la forme physique.
activité de force et d'endurance. En intégrant cette discipline dans l'entraînement militaire, les soldats améliorent leurs conditions physiques générales, ce qui est essentiel pour les exigences physiques du terrain et de mission. Les armes seront enseignées aux techniques. Le combat est الدفاع عن النفس من قبل الشرطه الوطنيه تلعب في دور الدفاع عن النفس داخل القوات المسلحه حيث توفر عدد من القواعد المهمه التي تساهم في تدريب الجنود والفعاليه العمليه تتطلب دور الدفاع عن النفس مستوى عالي من اللياقه البدنيه وخفه الحركه والقوه المتحركه من خلال دمج هذه التخصصات في التدريب العسكري يقوم الجنود بتحسين لياقتهم البدنيه بشكل عام ضروري للمتطلبات البدنيه للميدان والاعتراف ان التعلم بالدفاع عن النفس مهارات قتاليه فعاله بما في ذلك القتال غير المسلح والاسلحه البيضاء وأحياناً تقنيات الدفاع عن الأسلحة النارية يمكن أن تكون هذه المهارات حاسمة في مواقف القتال المتلاحم حيث يكون استخدام الأسلحة النارية محدودة أو مستحيلة Ladies and gentlemen, recently, a demonstration of the martial arts by the national police, the new recruit of the national police. You see, the martial arts play a significant role within the arms, providing several important benefits that contribute to soldier training and operational effectiveness. Martial arts require a high level of fighting. Self and others by integrating this discipline into military training. Soldiers improve their overall physical fitness, which is essential for the physical demand of the field and mission. Martial arts teach effective combat skills, including in-arm combat, bladed weapons, and sometimes even gun defense techniques. These skills can be crucial in close combat situations where the use of firearms is limited or impossible. Na 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 na
nao yatendea mbawa ya miziki na kwatu atuamba upanga ni mongzongo mzini sana usokuwa ya akala shishimwa kwamba ni chapu nao na usini sana elika yao watu wa wala kupepari ya wana shakila nchenga ya zati yao kaya wede atendea mbawa ya he ya kifadu ya he zemizi na usiha harima shiwaze kaya wede atendea Jao eva mana wa gendarmerie hadara jaya ngazija na Lukman Azali Asmani and then utende troupe ya hai le détachement de la gendarmerie nationale aux ordres du chef du squadron Azali Lukman commandant du groupement gendarmerie ngazija formé à la prestigieuse école à la prestigieuse Académie militaire du Maroc, après avoir suivi plusieurs formations militaires et universitaires, la dernière formation qu'il a pu suivre avec succès n'est le moindre. Il s'agit de l'école de guerre de Paris. Devant vous, mesdames et messieurs, le drapeau de la gendarmerie nationale. Le chef suivi par le chef d'escadron Saïd Asmani, adjoint commandant de groupement de la gendarmerie. Suivi par le capitaine Walid Mini, commandant de compagnie gendarmerie. Le premier peloton de la gendarmerie sous les ordres du sous-lieutenant premier officier de la gendarmerie nationale, issu de l'école des officiers de la gendarmerie à Melun, en France, suivi par le major Aziz Ibrahim et le major Abdulatif Abdou. Le deuxième peloton est aux ordres du lieu.
national. Le major Ali Youssouf et le major Koufeili Mohamed. Le premier peloton d'escadron d'intervention gendarmerie mobile, le MD, conduit par le capitaine Abdullah Youssouf Moustakim, suivi par le lieutenant Ben Omar Abdouman et le major Ali Mohamed Moussa. Le deuxième peloton d'escadron d'intervention de la gendarmerie, conduit par le lieutenant Akram Samoudine, adjoint au commandant d'escadron D, suivi par le sous-lieutenant Abdoumoudi et le major Mohamed Ali. Le chef de détachement de la SED, le chef de bataillon Mohamed Saïd Fazeux, sortant de la prestigieuse école de l'Académie royale militaire de Meknès, diplômé de l'état-major. Le drapeau de la force comorienne de défense. La première compagnie de la force comorienne de défense, conduite par le capitaine Abdullah Youssouf, commandant la première compagnie de la force comorienne de défense, suivie par le major Aboubakar Ahmadi et le major Souleymana. La deuxième compagnie de la force comorienne de défense, conduite par le lieutenant Mohamed Mansour, commandant de la deuxième compagnie de la force comorienne de défense, suivi par l'adjudant-chef Hassan Mohamed Mzé et le lieutenant Païdina Bakar. Le deuxième peloton de la deuxième compagnie de la force comorienne de défense, conduit par l'adjudant-chef Nassaf Mohamed Mzé et l'adjudant-chef Mohamed Adam. La troisième compagnie de la force comorienne de défense, les ordres du capitaine Jamal Soulé, suivi par le lieutenant Abdourani et le lieutenant Nassim Mohamed. Le deuxième peloton de la deuxième compagnie de la force de la troisième compagnie de la force comorienne de défense, conduite par le lieutenant Zaloudine. Mesdames et messieurs, devant vous, les forces spéciales de la force comorienne de défense, à son commandement, le lieutenant Elfreda Mohamed, suivi par le major Abderrahman, l'adjudant Abderrahman et le major Ali Mzé. La guerre au corps comorien. Mesdames et messieurs, devant vous, la garde côte comorienne.
capitaine Nadi Ibrahim, chef du détachement. Suivi par le drapeau de la classe communienne. Suivi par le commandant second du détachement, le capitaine Mahmoud Moussa, le premier peloton de la DACOT, conduit par le capitaine Elmir Manet, commandant de la base navale de Moroni. Suivi par le sous-lieutenant Saïd Hassan et le sous-lieutenant Al-Hajj Atouman, le deuxième peloton de la garde côte comorienne, aux ordres du capitaine Jamal Atouman. Suivi par l'adjudant-chef Ramadani Hamidou Kaf et l'adjudant-chef Mohamed Ali. Le service santé militaire, conduit par le capitaine Mohamed Mbechezi, commandant du détachement. Santé militaire, spécialiste alimentaire et hépato-gastro-entrologue et nutritiste, formé au Maroc, ensuite spécialisé au Sénégal. Permettez-moi de l'appeler Al-Hajj, puisqu'il vient d'effectuer le Hajj. Le drapeau du service santé militaire. Premier peloton du service santé militaire, conduit par le capitaine Fadi Mouchidi, le lieutenant Samba Ahmed, le lieutenant Bakari Azad. Le deuxième peloton, conduit par le capitaine Elhad Ahmada, le lieutenant Aliyanti Ali Djambaye et le lieutenant Cher Naoui Mohamed. Mesdames et Messieurs, le détachement de la police nationale. Abdigaïn Hassani Mahmoud. Le drapeau de la police nationale, conduit par l'inspecteur Ali Ahmed Mouamana. De compagnie, le capitaine Badrou Raouf Zakaria. Le premier peloton de la police nationale, conduit par le capitaine Chahéri Saïd Hassan. Suivi par le capitaine Mohamed Ali. Suivi par le capitaine Ibrahim Mahmoud Bakar. Le deuxième peloton de la police nationale, conduit par le capitaine Nasser Ahmed Abouman. Suivi par l'inspectrice Zalaka Isiaka et l'inspectrice Mariama Mdaouma. Troisième peloton de la police nationale, conduit par le capitaine Sani Nourou Sani, suivi par le capitaine Assoumou Kapisaï, suivi par le capitaine Ngoréa Kerdi. Le quatrième peloton de la police nationale, conduit par le capitaine Chamassi Mustafa, suivi de l'inspecteur Asmin Youssouf et l'inspecteur Hassani Al. La
mesdames et messieurs, devant nous le détachement de la direction générale de la sécurité civile. Le commandant du détachement, le lieutenant Saïd Madi Nisayati, suivi du drapeau, conduit par le chef de brigade Ben Abdallah Sharafoudi. Le commandant du premier peloton, le lieutenant Youssouf Abdillah, suivi par le lieutenant Hamidou Saïd Ali, suivi par le lieutenant Youssouf Abdou, et enfin le lieutenant Fahadine Mohamed. Le chef du 4e peloton, le lieutenant Omar Abdallah, le lieutenant Nathamou Assoumani et le lieutenant Abdallah Ibrahim Abdallah. Tous ces officiers que je viens de citer ont été formés. Mesdames et messieurs, le détachement de l'administration de Douane. Assoumani, suivi par l'inspecteur Gafir Ahmed, deuxième peloton, le deuxième peloton conduit par l'inspecteur Nawir Soula, de brigade Moroni, suivi par l'inspecteur Ibrahim Saïd Ahmed, inspecteur adjoint chef chargé de fiscalité pétrolière. Troisième peloton, conduit par le chef d'équipe Sanali Sulaimana. Le détachement de l'Union des polices municipales de Gazika. Le chef de compagnie, Mohamed Swahir Mawahibou. Porte du drapeau, Abdillah Nadi Ibrahim. Le premier peloton, le chef d'intervention, Mali Ali Youssouf, suivi par Ali, chef Ali Ahmed et chef Nsunga Walaï. Conduit par le chef d'intervention Bali, Sazibiri, Abbas, Mupando et Scout. Le chef Zakaria, à son commandement, le chef Mohamed Misbah Madoro, suivi du drapeau, suivi par le chef Ali Mohamed Kaou, et enfin le chef Jamali Swali Mohamed Assur.
Vangaru wana wana vijana watite wabalia bendera ikao. Aronao. Oh, abaha. Tableau, ça y est, nous y a faniwa. Kao. Waifanya wanu waifanya fikir. السيدات والسادة أمامكم عرض الشباب الكتاتيب القرآنية لدولة جسر القمر. أباها أرجونا نودونغاي دفيلي هزيمو توني مغاري ili rendi na utimizi السيدات والسادة أمامكم العرض العسكري للمركبات والآليات المتحركة والذي يتقدمه المقدم عبد الله بطرف. الكولونيل لوتنان كولونيل عبد الله بطرف Thank you.
moment, ils font partie de la gendarmerie nationale, mais ils aident toute la population. Notamment les universitaires, des Comores, Mesdames et Messieurs, nous allons assister à présent à l'arrivée des véhicules de la force comorienne de défense. Abdurrahman.
watoto hawana fengo. De la direction de la sécurité civile. Fikiria ukana defile ya magari sahihisa abaha defeti saende na washili harumaye ni haya ya hayo kawaida Gwajelieke mahamongo mine na shendara yenshi haruma tabu gwaya badili mahamongo mine mahamongo mitsanu ya hewa ukuria wa Komoro wana wa Komoro wa dua ze zinji za vira haruma zembi na mshezani ya ukana mengoneze si da majeur za jiri haruma fetinu ndo ukaya ye le tribunal officiel ye jajwa urumishiha hapo ya kaya ihalwa na hii wajiri uziro haruma ye tribuninu eziri zidangu hashapu ajelia kwa ya koza yabo reushukuria yabo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.